Salut les dunks, ici Simon 2911 et bienvenue au troisième épisode de Crash Bandicoot 1 dans Crash Bandicoot Insane Trilogy. La dernière fois qu'on s'était laissé, on était rendu au niveau Lost City dans laquelle il y a un gemme de couleur, le gemme vert. Ça veut dire qu'il faut terminer le niveau sans mourir et en brisant toutes les caisses. J'espère que je vais réussir, je connais un peu le niveau, je l'ai quand même déjà fait. On va voir ce que ça va donner. Let's go! Donc, on va commencer en allant chercher le petit masque dans le fond, parce que pourquoi pas, hein, ça peut toujours être pratique. Et on a deux caisses là, on va essayer d'aller chercher comme ça. Yes! Est-ce qu'il y a une caisse en haut ici? Non. Ok, très bien. Bon, on va la briser et on revient. Ce serait con que je meure. Ouf! Yes! Je l'ai eu. Juste ça, c'est un saut assez difficile à faire. Ça aurait été con que je meure comme ça. Boom! Donc, on vient de voir les lézards. Je pense que c'est la première fois qu'on les voit. Les lézards, eux, il y a deux sortes. Il y a les rouges et les verts. Les verts sont pas très très problématiques. On peut juste faire notre tourbillon et on les tue. Ou on peut sauter dessus et on les tue. Les rouges, c'est une autre histoire. Donc, chauve-souris ici! Yay! Les chauves-souris, c'est vraiment les monstres les plus chiants du jeu. Parce que, c'est ça, ils amènent plein de monde avec eux. Pour empêcher, dans le fond, que les chauves-souris traversent comme ça, il faut tuer les deux chauves-souris qui sont perchées comme ça aux extrémités. Paf! Celle-là est morte. Donc, ici, on a un point d'exclamation à prendre. Je pense qu'on l'a pété. Oui, on l'a eu. Ça l'a loadé des blocs, je sais pas lesquels, mais il faut le faire. Hein. Ça load des blocs. Donc, boum, un checkpoint. Checkpoint qui va nous servir à rien, parce que si on meurt, faut recommencer du début. Tiens, comme ça, on a la face d'un docteur. Il faut avoir... Ok, fait on a la fille et le docteur, donc il faut avoir trois faces dans ce niveau-là. Deux fois trois faces. My god, c'est tellement dur à dire. Let's go. On continue. Ouh! Les chauves-souris sont tellement stressantes. Ils passent quand même vraiment souvent, là. C'est vraiment chiant. Ok, regardez ici. Si on voit bien, là, il y a l'ombre d'un masque dans les airs. Donc, on peut essayer de le prendre. Oh, j'aurais pas dû essayer de le prendre, hein? Donc, on recommence. Wouhou! Ok, je suis revenu. Fuck le masque. Sérieusement, fuck le masque. Je vais vivre avec juste un masque. Je vais juste essayer de pas le perdre parce que ce serait vraiment chiant. J'aimerais le garder pour me protéger plus vers la fin du niveau. Parce que la fin du niveau, c'est là que je vais stresser. Tu sais, quand on va avoir tout fait le niveau, puis là, je meurs à la fin, là. Tu sais, en voyant le bout. Oh, je veux tellement pas que ça m'arrive. Là, je suis sûr que je viens de me jinx. Puis que dans le fond, c'est ça qui va arriver. Mais non, ça va bien aller, ça va bien aller. Ok. Ici, c'est très très tricky. Si vous voyez la face du docteur là-bas, faut que je réussisse à le prendre. Mais là, faut que je calcule ma shot. Comme ça. Boum! Yes! Yes! Ah, j'ai manqué la vie. C'est vraiment pas grave, je m'en fous, je veux pas la vie. Parce que dans le fond, les caisses qu'il y a dans les bonus comptent, hein, dans le total de caisses amassées dans le niveau. Comme là, on a 82 caisses à ramasser, et j'en ai juste 13. Seulement 13, ouais. Donc, le niveau est plutôt long, hein. Tiens, comme ça. On monte des petites plateformes à la Mario. Ça, c'est pas trop complexe. C'est pas les bouts les plus chiants du niveau. Donc, ici, on a un point d'exclamation en haut à gauche. Que vous deviez pas voir à cause de ma face, mais maintenant vous le voyez. C'est à gauche ici, faut que je saute dessus. Boum! Ok. Oh. Il y a du feu en bas, hein? Ils ont pensé à leur affaire. Ah! Oh my god. Mon pauvre cœur. Ok. Bam. Ce qui est chiant, c'est que c'est un niveau quand même long en plus. Je veux dire, c'est comme top défi. Là. Bam. Ça. Faut juste attraper le pattern, le rythme, et ça va bien. Un checkpoint qui va nous servir à rien. Je sais même pas si les caisses de checkpoint comptent dans le total de caisses amassées. Donc là, boum, on a la troisième face du monsieur avec les vis dans la tête. Je me rappelle même pas de son nom. Ok, donc là ici on a le sort de petit iguane. Oh merde. Fallait que j'y sorte sa tête.
J'ai vraiment mal joué là-dessus, je voulais vous le montrer, finalement, j'aurais juste dû y sauter sa tête. Merde! Comme ça. Ok. Saute comme ça, boum. On peut mourir dans les bonus en passant. Ce n'est pas grave. C'est pas comptabilisé pour une mort dans le niveau. Comme ça. Fou. Boum, boum, boum. Comme ça, oui! That's it! On a toutes les caisses, 10 bonus, et on a 6 vies. Ça, c'est quand même payant. C'est quand même payant. Surtout si techniquement, j'en perds aucune dans ce niveau-là. Ok, là, le stress est à son comble. Je n'ai pas de masque pour me protéger. Faut que je fasse quelque chose de parfait parce que je pense pas que je vais avoir des masques plus tard. Comme ça, je vais revenir. Allez, saute. Bam! Eux, je peux pas faire de tourbillon dessus, ils vont me faire rebondir parce que c'est des vrais salauds. Tiens, on va tuer la chauve-souris ici. Je me sens plus en sécurité. Donc ça sert pas à grand chose, hein. Parce que les chauves-souris passent tant qu'il y a l'autre maudite au bout. Ok, faut que je calcule mon affaire. Faut que je calcule mon affaire. Ok, non, c'était pas un bon timing. Ici, je le sens plus. Ouh! Yes! Oh my god, ça c'était flush. C'était très très flush. Ok, donc faut que je regarde le cycle. Faut pas me faire avoir. Non, ça c'est pas bon. Ici c'est bon. Yes, ok. On regarde ça ici, concentration. Oh my god, c'est tellement des cycles de fou là. Ok, ouh, je l'ai eu, parfait. Ici, très bien. Ok. Je respire. Ah, je suis stressé, je suis très stressé. Ok, donc on a une boîte à péter en haut, donc faut attendre qu'il soit au centre pour lui sauter sur la tête. On saute là. Bam! On l'a eu. Très bien. Paf! Oh! Oh my god, je suis tellement stressé! Tellement stressé! Ça n'a aucun bon sens! J'ai envie de tuer cette chauve-souris-là, juste par sécurité. Boum! Non? Ok, too bad, on va pas la tuer. Hop! Boum! Ok. Boum! Ok, il est mort. Ah! J'ai tellement peur de faire juste une gaffe de con, puis que je plante tout! Oh. Ok, let's go! Petit bonus bien peinard. Oh, pas l'air. Ok, non, ce sera pas si peinard. Merde! Ok, comme ça, bam! Comme ça. Ok, ah, là, je me sens bien quand même. Parce que là, je sais qu'il va en avoir toutes 5. Boum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Wow! 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 1, 1, 1. Fait quand même se concentrer là-dessus. Fait se concentrer. Hey my god, à la fin de ce niveau-là, combien de vies on va avoir? Ça va être fou! Oh, 64 vies! 66 vies, tout le monde! Oh my god! Ça, c'est si j'en perds pas une ici. Ouh! Ouh! Oui! 67 vies! Comme ça. Ok, là, on a un petit maudit ici. Ouh! Allez, saute. Je vais t'avoir. Non! Oh my god! Bon ben, je recommence du début, bien sûr, je vais vous faire un cut. Bam! Quitté! Wouh! Ok, je suis arrivé. Et j'ai un masque. Ok, bon, ok. J'ai encore manqué mon coup, mais vu que j'avais un masque, j'étais correct. On arrive au bout. Hop! Oh! Ah! Bam! Oh yes! Donc j'ai pété le point d'exclamation et ça l'a donné le gemme vert. Imaginez, je tombe dans le trou là. Imaginez. Oh, je voudrais mourir. Ouais, c'est le cas de le dire, hein. Et voilà, pour vrai, j'ai été mort encore quelques fois en essayant. C'était rough. C'était vraiment difficile. J'ose même pas imaginer ça va être quoi les niveaux plus tard qu'il va falloir que je fasse sans mourir. Mais maintenant qu'on a le gemme vert, il y a un niveau qu'on va pouvoir faire.
Ce niveau-là, c'est le deuxième niveau, je pense. Celui-là ici, Jungle Rollers, oui. Donc, je vais essayer de le faire très rapidement, mais je vais quand même vous le montrer. Ne serait-ce que pour vous montrer à peu près où toutes les caisses se trouvent. Ok, on est prêt. C'est pour vous dire, là, ça fait déjà une demi-heure que je joue. J'ai passé une demi-heure juste sur le niveau qu'on vient de faire. C'est pas facile. By the way, ça ici, le petit cadran, ça c'est pour faire la contre-la-montre. Ce qui ne m'intéresse pas, ça c'est pour avoir les reliques. Oui, c'est ça, j'en suis à une demi-heure de jeu. J'en reviens pas, là. C'est... je suis déjà exténué d'avoir travaillé autant sur un niveau. Je me rassure, je pense que les niveaux qu'il faut pas que je meure, il y en a pas encore pour bien... Il y en a pas encore beaucoup à venir. Je pense que ça va être encore un peu plus tard. Donc, ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Faut connaître le niveau par cœur, là, littéralement. Boum! Tiens! Ça ici, c'est un niveau un peu plus simple par contre, hein? Puis en plus, je peux me permettre de mourir. Vous imaginez, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un luxe, là! On peut se permettre de mourir! En passant, je sais pas si je vous l'avais montré, mais regardez les vies. 77 vies. Étant donné que j'ai recommencé et que j'ai refait des bonus, ça m'a donné vraiment plein de vies. Hey, 77 vies! Vous imaginez? Ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, et voilà! Voici notre gemme vert. On va dessus. On va sauter là. Boo. Oh, le fell. Le saut du fell. Donc, faut que je m'enligne là. Tiens, boum. Très bien. Paf. Et voilà, on va en avoir trois. Merde, je les ai manqués. Let's go, je vais aller chercher mes vies quand même. On va monter à combien de vies? 80 vies. Je sais pas s'il y a un maximum. Je sais pas si c'est comme 99 le maximum. Où on peut se rendre vraiment dans les trois chiffres. Hey, je me suis jamais rendu autant de vie. Ça a aucun bon maudit bon sens. J'en reviens pas. Donc, let's go. C'est vrai, on va avoir un bonus à faire aussi dans ce niveau-là. Bam. On a fait un festival de la moufette. Hein? Ils sont toutes mortes d'un coup. Ok, ce serait vraiment cool que je puisse l'avoir. Oh, ça va. Merde, merde, merde. Est-ce qu'un jour je vais l'avoir? Ça aurait pu être ma revanche, mais non, apparemment non. C'est trop difficile à viser. Entre deux TNT. Tiens, on est rendu à 82 vies. Hey, c'est absurde, il donne bien trop de vie dans ce jeu-là. En même temps, là je dis ça, mais avant c'est pas ça que je disais, hein. Il m'en manquait, j'en avais des game over. Donc, petit bonus rapide. Ah, fuck that, là, je vais juste les péter. Pas de temps à perdre. Je vous ai dit, j'allais essayer de le faire vite. On va essayer de le faire vite. Parce que, quand même, vous avez déjà vu le niveau, mais. Tu sais, c'est quand même cool. Là, on revient dessus avec le fait que. Là, on ramasse toutes les caisses. Je sais pas. C'est quand même nice. Donc, tiens. On est à combien de caisses? 43 sur 43. Boum! On les a déjà toutes. Ouh! Et il y a un petit piège ici. Bam! On a notre gemme! Le petit gemme blanc! Une bonne chose de faite! Donc là, on va pouvoir continuer les niveaux de niveaux un peu plus complexes. Ta-ta-da-da! Donc Lost City et ensuite Temple Ruins. Je pense qu'on peut avoir le gemme blanc dans celui-là, si ma mémoire est bonne. Oui, on peut avoir le gemme blanc. Mais encore là, le luxe qu'on a, c'est qu'on peut se permettre de mourir! Ah, c'est-tu passé ensemble? Surtout qu'on a, quoi, au-dessus de 80 vies, donc ça rassure. Les checkpoints vont enfin servir à quelque chose. Bam! Tiens. Donc un petit niveau dans des ruines égyptiennes. J'aime vraiment le look de ce niveau-là. Wouh! 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 C'est un peu de l'oke. Ok, donc, bam! Ça. Checkpoint ici! Voir un cobra. Bam! Et voilà. Très bien. Donc oui, ce niveau-là, je me rappelle, on peut avoir toutes les caisses. Il est juste complexe. Il est juste tough. Il est juste... faut juste que je me concentre un peu. Tiens, un autre checkpoint. Non, je pensais que c'était un checkpoint. J'étais genre, what the fuck, me semble que je viens d'en avoir un. Comme ça ici. Bam. Des caisses toutes seules. Ok. J'aime le fait que les trucs qui donnaient des coups maintenant en donnent plus. C'est comme s'ils savaient qu'il y avait une caméra qui regardait. Quand même drôle. Bon, tiens, bam, bam. Oh, une araignée! Elle n'a pas fait long feu, hein? Tiens, on va tout ramasser les caisses.
J'ai quand même peur d'en manquer une, genre. Tu sais, ça doit tellement être chiant. Tu sais, t'en as comme 42 sur 43, par exemple. Mais, quand, techniquement, tu l'as pas manqué, tu l'as juste pas vu. Elle a passé à côté de toi. Puis t'as juste pas fait attention. Ok. Ça, on saute. Saute. Bam. Ok, donc, on a des lances qui sortent des murs et un cobra en arrière. Bam. Le cobra n'a pas fait long feu encore une fois. Long feu. On l'a pogné. Là, là. Ça. Ici. Checkpoint. Bam. Ok. Ok, à date, ça va très bien. Même étonnamment, je suis pas encore mort. C'est quand même cool. Imaginez, je le fais sans mourir. Comme le niveau, je pourrais très bien le faire sans mourir. Merde, j'ai été touché. Est-ce que vous allez rester ouvert? Il reste ouvert. Oh, sont-ils pas gentils, ces pièges-là? Ils veulent tuer juste au besoin. Tiens, ia! Je l'ai eu. Ok, ici, ça, c'est cheaté. Je veux dire, comment on peut le savoir? Il y a des pommes à gauche. Regardez ça. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que vous venez de voir. Ça n'a aucun bon sens, hein? Comment on peut deviner ça? Moi, je me rappelle. Je m'en rappelle quand j'étais au PlayStation 1, j'avais fait ce niveau-là. Mais, what the fuck? Je me rappelle pas comment je l'avais trouvé. Ça n'a aucun maudit bon sens. Tiens, ok, donc. J'ai une caisse là. Paf. On a combien de caisses? 58 sur 67. Donc, le niveau devrait bientôt achever. Ce serait cool qu'il achève. On a du feu ici. Bam. Oh! J'ai failli manquer mon coup. Ok. On va attendre. Sauter bien droit ici. Ouf. Ok. Saute ici. Wah! Oh my god! Ça tombait! C'est vrai, j'avais pas remarqué. Ok. C'est quand même tout un niveau. Mais ça va bien, étonnamment. Je suis content. Tiens, on avance. Oh 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 oh. Oh my god, j'ai été chanceux. J'avais pas regardé, mais ça brûlait de l'autre côté. Ok. Donc là, un bout un peu plus tricky. Je vais attendre. Il n'y a pas de stress. Ok, non. Il est apparu. Juste pour moi. Tiens, comme ça. On a combien de boîtes? 62. 64. 65. Oh oh. Oh non. Il m'en manque une. Et où? Bon ben ok, je vais finir le niveau, puis ensuite je vais fouiller. Ow. Il manque une boîte. Comme exactement la crainte que j'avais. Oh. Oh my god. Regardez en haut. C'est chiant. Et voilà, je l'ai pété. Donc, était là. Au début. C'est-tu pas, c'est chiant. C'est horrible, hein. Donc, je le refais au complet et on se retrouve à la fin. Ok, donc j'arrive à la fin. La dernière boîte, juste là. Boum! Et voilà! On a notre petit gemme et 91 vies. 91 vies, tout le monde. Et voilà! Le niveau est fini. Un autre gemme, on est rendu à combien de gemmes? C'est charmant, il se le sort de la bouche. Oh! Donc, 7 gemmes. 33% du jeu de fait. Le tiers, déjà quand même. Prochain niveau, Road to Nowhere. Un niveau que je trouve extrêmement beau. Regardez ça, comment c'est beau! J'adore les couleurs, la composition de l'image. Ah, oh, le remake HD et tout ça est vraiment très très beau. Puis là, on a un pouvoir. Est-ce que je le voulais vraiment? Je le sais pas. Je peux quand même péter ça, ça c'est cool. Donc oui, le concept de ce niveau-là, ben... C'est de passer sur un pont à moitié pété que même un fou n'utiliserait pas. Donc ouais, faut réussir à traverser ça. Donc, les planches grises, ben elles ne tombent pas. Les planches rouges, elles vont tomber après un petit moment. Et les planches rouges à moitié pété, ben il faut juste pas aller dessus. C'est comme un trou, c'est exactement le même équivalent.
Et là, je viens de me faire toucher par un cochon qui courait par-dessus des trous. C'est plutôt chiant. Ce cochon-là nous suit, dans le fond, peu importe où on se trouve sur le pont. Mais une fois qu'on le traverse, il va arrêter. Donc, c'est quand même cool à savoir. Quelque chose que je ne savais pas avant. Et c'est ça, c'est un des niveaux qui est considéré très, très difficile par beaucoup de monde. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une version encore plus difficile plus tard dans le jeu. Yes, vous avez bien compris. Hi! Fuck! Merde. Je suis chanceux quand même, il y avait le checkpoint juste là. Hop! Boum! Boum! Non, il s'est arrêté. Comme ça. Ouais! Donc, on va avoir un niveau bonus là-dedans. Celui-là, je me rappelle, il n'y a pas de gemme à avoir. Donc c'est ça, celui-là, il n'y a pas de gemme à avoir. Parce qu'il faut un gemme de couleur avant. Ouf! Ouf! Ici, hein? Il est juste là. Vous avez la preuve de ce que je viens de dire. On continue, let's go. Ah, il faut tellement être précis dans ce niveau-là, c'est incroyable. Mais je l'aime! J'aime vraiment ce niveau de difficulté. Je vous avouerai que je suis mort vraiment souvent dans ce niveau-là. Si vous voulez rendre ce niveau-là difficile, là, enlevez l'ombre. Ça a aucun bon sens comment ce serait difficile. Qui utiliserait ce pont-là? Dites-moi ça. Je veux dire, ça a aucun bon sens. Tiens, crash. Let's go, maudit fou. Traverse-moi ça, ce pont-là. À date, ça va étonnamment très, très bien. Ça ici, c'est de l'acier, en passant. Donc, faut faire attention quand on saute là. Bien sûr, on a un cochon ici. Viens ton cochon. Wham! Une chance qu'il arrête. Sincèrement, une chance qu'il arrête parce que j'aurais vraiment peur qu'il me fonce dedans. Ah, très bien, on va faire le bonus parce que pourquoi pas. Même si on n'a pas toutes les caisses du niveau, ça vaut quand même la peine. Niveau vie, là, hein, si on peut atteindre les 100 vies aujourd'hui, ce serait assez hot. Bam! Ok, ça rebondit, faut juste passer dans le trou. Bam! Et voilà. TNT ici. Et on attend. Puis comment a été votre fin de semaine, hein? Donc ça, on fait juste attendre. Tiens! Pow, pow! Et voilà, on pète ça. Toutes les caisses vont être brisées. Juste parce que j'ai envie qu'elles le soient. Tiens. Comme ça! Yes! Bonus terminé! Ok, là, on a les tortues. Un nouveau système pour ce niveau-là. Vous vous doutez bien du système à avoir. On saute, bam! Et les tortues nous permettent de nous expulser encore plus loin. Bam! Comme ça. Comme ça. Donc c'est ça, il nous manque quelques caisses. Et vous voyez, il y avait même un gemme là qui nous amenait plus loin. Oui, et donc ici, il va falloir revenir. C'est un niveau tellement plaisant qu'il va falloir le faire deux fois. Yeah. Niveau suivant, Boulder Dash. Le niveau de la roche en version plus difficile. Quand même pas mal plus difficile. Il y a des bonnes chances que je meure. Ce niveau-là, non plus. On peut pas avoir toutes les caisses tout de suite. Il va falloir avoir un autre gemme. Je sais pas quelle couleur, mais il va falloir un autre gemme. Donc, on est prêt. Let's go! Ouais. On saute. C'est un niveau beaucoup plus long même, hein. Ok, on relaxe, ça va bien. Ces niveaux-là, ce qui est chiant, je sais pas si c'est juste moi, là, probablement juste moi, mais mon pouce est pas bien comme avec le fait de garder toujours le joystick par en bas. Il finit par glisser. Puis, c'est ça, quand il glisse, ben je perds le contrôle et ça peut causer ma perte. Mais ouais, on va espérer que ça aille bien. Ah ben oui, là, ça bouge, hein. Ouais. Parce que pourquoi pas, hein? Si on peut rendre ça plus difficile, on va le faire. Tiens, comme ça ici. Ça, ouais. Ok, ça va bien. Ça va très très bien même. Wouh! Oh my god! Excusez-moi, je parle pas, mais là, je suis quand même vraiment très très concentré. Checkpoint! Ah, ça c'est plutôt cool. Oh oh! Une vie ici. On va la prendre. Boom! 97 vies! Est-ce qu'on se rend à 100 vies aujourd'hui? Oh my god, je capoterais. Tiens. Ça ici, je pense que c'est la dernière boule. Ça part vraiment mal. Oh my god!
C'est tellement stressant, ça a aucun bon sens. Allez, allez, on est vite. On est vite. C'est long là, ça dure très très longtemps. Oh my god, oh my god, oh my god. Je me suis accroché. Oh my god. Oh. J'étais sûr que j'y restais. J'étais sûr que j'y restais. Donc oui, vous voyez ici, il y a un gemme rose, mauve. Je pense que c'est mauve. Oui, on va pouvoir le prendre. Je suis exténué. Carrément, je suis exténué. Dernier niveau de l'épisode. Et oui, ça va vraiment avoir été un gros épisode. Sunset Vista. Probablement l'un des niveaux les plus longs du jeu. Qui est aussi la version plus difficile du maudit niveau qui m'a fait chier tantôt. Ouais, ouais. Donc ici, on peut ramasser toutes les caisses, donc avoir un gemme régulier. Et... est-ce qu'il y a des caisses là? Non. Et aussi avoir une clé. Une clé qui va nous donner accès à d'autres niveaux. Le luxe qu'on a, c'est qu'on peut se permettre de mourir. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut prendre notre temps, se permettre de crever. Et quand même avoir toutes les caisses. Tiens. On va ramasser le petit masque ici. Une petite vie. Encore des putains de chauves-souris à la merde. Je sais pas si c'est le dernier niveau dans lequel il y a les chauves-souris. J'aimerais vraiment ça, parce que je déteste ces monstres. Je pense que c'est les pires pour moi, là. Je les déteste. Je les déteste. Comme de fait, j'en parle et elles reviennent. Bam! Ouf. Ce serait plutôt spécial que Crash puisse nager, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, oh my god, j'étais sûr que je mourrais. J'étais sûr que je mourrais. J'étais sûr que les chauves-souris me tuaient. 99 vies! 99 vies! Je pense pas sincèrement qu'on va finir Game Over quand même. Le jeu a beau être difficile. Il y a des limites là, hein? Bam! Bam! Ah, on peut pas avoir plus que 99 vies. Mais vous voyez, on aurait eu 100 vies. Quand même cool! My god! 99 vies dans Crash Bandicoot 1. Quelque chose que j'ai jamais pu faire. Wow. Wow, wow, wow. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. Ok. Puis ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Il y avait un masque. Parfait, ça. Let's go. On va prendre le checkpoint. Ok. À date, ça va bien. La seule affaire qui pourrait être chiante, c'est qu'il nous manque des caisses à date dans le chemin qu'on vient de faire. Mais je pense pas. Je pense quand même les avoir toutes vues. Bam, on tue la chauve-souris, pas une araignée, une chauve-souris. Ok, on va attendre pour le feu. Ok, elle passe quand même assez rarement. Donc on est correct. Ils vont passer. Ensuite, on va aller prendre le petit lézard. Merde. Oh my god, je suis tellement chanceux. Je suis tellement chanceux, je peux pas croire que j'ai réussi à passer ça. Ok, on va regarder le pattern de eux. Comme ça, comme ça. Je reviens complet et rentre. Ok, c'est bon. Checkpoint ici. J'espère vraiment qu'on a eu toutes les gemmes à date. Parce que les gemmes, les caisses, qu'est-ce que je dis là? Je suis trop concentré. Fuck! Je suis mort. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On revient juste ici. Mais oui, oh, on a 98 vies. On commence à être short. On commence à être très short. C'est vrai, ça ici, ça re-rentre dans le mur quand on saute dessus. Tiens. Ah, le cycle est un brin plus rapide ici. Ça va quand même bien par contre. Quand on l'attrape là, on est à l'aise. Bam. Comme ça. Ok, ok. Ça va vite. Ça va même plutôt vite. On va ramasser les caisses là. T'as 13 sur 90. Ça vous donne une idée de la grosseur du niveau? On continue, on continue. Bam. 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 Ça. Comme ça. Et comme ça. Très bien. On est en haut, au deuxième étage. Vous m'avez bien compris, le deuxième étage. C'est pas le dernier étage. Donc, oui, il va y avoir, je pense, un autre étage en haut. Ça a pas de bon sens, là. C'est vraiment long. Let's go. Boom. 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 Ça, ça re-rentre. On peut sauter ici, comme ça. Checkpoint en haut. Ok, 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 ok. On respire. On se concentre. Ça ici, c'est quand je saute.
ça re-rentre. Ok! Let's go! Boom. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais! Et voilà. Oh my god. Ok, donc on a des caisses. On ramasse tout ça! Avec un beau masque à coup à coup! Yeah! On a repris notre 99e vie. Tiens, comme ça, on monte. J'entends des chauves-souris. Ok, elles peuvent vraiment faire chier. On va vivre avec. Ouh, ouh, bam! Haha, je savais que j'allais réussir. Ok, on monte ici. Ok, ensuite, ça c'est chien comme plateforme. Il aurait pu être de l'autre côté. Mais non, ça serait beaucoup trop compliqué pour des développeurs. Non, non, je niaise. C'était définitivement pour rendre ça compliqué. Tiens, comme ça, bam! Checkpoint. Donc là, si on regarde, on a un point d'exclamation en haut. Il y a un méchant ici, on va l'amener jusqu'au point d'exclamation. Viens. Tiens, boum, comme ça. Et ça load les caisses en arrière. On va aller chercher le petit masque caché là. Boum. Et on va péter les caisses. Et on a la face du gros méchant. Le N, avec le front en N, là. Cortex. Le docteur Cortex. Tiens, comme ça. Je tiens à dire quand même, on a juste un visage de chaque. Puis on arrive quand même à la fin du niveau. Je me pose des questions, là. Bam! Meurs, décède. On saute ici. On saute là. Ouah! Oh, j'ai réussi à les frapper et ils ne m'ont pas fait mal. Plutôt cool. Allez, allez. Passez. Ensuite, on continue notre périple. C'est parti. On touche à la fin, il me semble. Bam. Une vie ici. Non! Il y avait le cortex là. Faut que je meurs. Faut que je me tue. Oh non! Il me faut la face cortex. Bon, mais bye bye. Ok, j'y suis. Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Oh my god! Oh my god! Oh! Ok, j'ai deux faces de cortex. Là, je me demande juste la face de ma petite copine. Il m'en manque deux. Il m'en manque une. Ok, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ok, ok. On va respirer un petit peu. Ok, là, il ressort quand le truc en haut rentre. Ok. Genre là. Très bien. On va aller briser les petites caisses là. On a combien de caisses? 40 sur 90, il en reste 50 encore. Il me semble que ça fait une éternité, je joue là. Ok, lui a exactement le même pattern que l'autre juste avant. Très bien. On rentre. Paf. Non! Parfait! Là, je l'ai. Ok, ok. On va essayer de bien s'enligner. Comme ça. C'était très dangereux ce que je viens de faire. Mais je l'ai eu. Parfait. Donc, on a le cortex là. J'imagine que les caisses ici vont nous en donner un. Yes! On en a trois. Là, ce serait juste con que je me tue ici. Hein? Hein? Il me semble que ça me ressemblerait. Ok, non. Ça me ressemblerait, mais j'ai quand même réussi. Yes. Donc, ouf! Yes. Cortex. Ce qui est cool en plus avec ça, c'est que c'est des checkpoints. C'est awesome! J'ai hâte de voir c'est quoi ses bonus à lui. Tiens, TNT. Oh my god! Ok, faut que je pète ça. Je suis correct. Je suis correct. Ça, c'est pas de la TNT, c'est des caisses bien normales. Wow! Ah, ok, je comprends. C'est comme une sorte de mur de caisses de bois. Recommençons. Bam, on recommence. Bam, bam. Fou, fou, fou. Parfait, je l'ai. Bam, ça a explosé. Yes! Salut toi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est ça qui vient de se passer. Ok, ciao! Je pense que lui nous donne la clé, il me semble. Ok, let's go! J'ai été vraiment chanceux là-dessus. La hitbox est pas parfaite, hein? Donc, let's go, on a la fille, on va voir le bonus avec la fille maintenant. Qui est juste ici. Let's go.
Oh my god, je vous l'avais dit, il est vraiment long ce niveau-là, ça n'a aucun bon sens. Donc, let's go! Bonus de la fille, comme ça. Ok. Là, ça se fait bien. Juste comme ça! Ok. Ça pète tout. Super! Très bien, c'était très très simple, trop simple. Et on continue, let's go! On saute, bam! Il me semble que là, on touche au but, là. Hop, on saute ici. Ok, ça c'est chien. Comme ça, très bien. Plateforme, hey, ils vont vite là, c'est rendu que ça va très vite. Hey, je vous l'avais dit, c'est tellement long, même moi je me rappelais pas que c'était aussi long que ça! Wow! Ok, ici il y a un piège à con. Ici il y a un piège à con. Lui il va nous sauter dessus. On va lui sauter dessus. Ok, dites-moi que j'ai toutes les putains de caisses. Oui! Oh, yes! Là j'aime. On termine le niveau le plus long du jeu. Parfait! On a le gemme. Ta-ta-da-da! Et on a la clé! Yes! Je vais vous montrer ce que la clé peut faire. La clé, ce qu'elle peut faire, c'est ouvrir ce chemin-là ici. Parce que ça, c'est un niveau qu'on n'avait pas tantôt. On n'avait pas accès à ça. Grâce à la clé, maintenant, on y a accès. Donc, ce niveau-là, on va le faire au prochain épisode. Parce que moi, ça fait 1 heure et quart que je suis en train de filmer. Ça a été vraiment demandant. J'ai fait des niveaux vraiment difficiles. Je suis satisfait de la séance, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et nous suivre sur Facebook, Twitter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!